Depuis de nombreuses années, l'avenir du champion du monde Kylian Mbappé est au centre de toutes les attentions. Il faut dire que son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine bientôt et personne ne sait où il jouera la saison prochaine. Heureusement, le feuilleton est sur le point de se terminer. En effet, d'après les médias, le joueur va très prochainement lever le voile sur son futur puisqu'il devrait communiquer ce week-end concernant sa décision. Comme vous le savez sûrement, deux options sont possibles, prolongation de contrat avec le club francilien ou une signature au Real Madrid. Si la seconde option était la plus probable, la tendance semblerait s'inverser. Il y a quelques heures, les médias annoncent de plus en plus une future prolongation de Kylian Mbappé. D'après les informations de nos confrères l'Athletic, le Paris Saint-Germain aurait offert la somme de 300 millions de primes à la signature pour le joueur. Mais ce n'est pas tout, il aurait également un salaire annuel net de 100 millions d'euros et la majeure partie de ses droits à l'image. Mais après cette annonce, la mère de l'attaquant français a fait une grande révélation. Faïza Lamari, qui gère les intérêts de Kylian Mbappé, a dévoilé les détails des négociations. Elle assure notamment que son fils a un accord avec les deux clubs et qu'il désormais devoir faire son choix. Nous avons un accord avec le Real Madrid et un autre accord avec le Paris Saint-Germain, et les négociations sont déjà terminées, maintenant Kylian Mbappé doit choisir. Les deux offres sont égales financièrement, il n'y a pas de grande différence entre elles, mais nous attendons que Mbappé choisisse l'une d'entre elles. Reste à connaître le choix de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Affaire à suivre. Entraîneur phare de la Ligue 1, Christophe Galtier souhaite encore voir Kylian Mbappé sur les pelouses du championnat de France la saison prochaine. Il faut croiser les doigts, tout le monde doit croiser les doigts pour que Kylian Mbappé reste en France. J'ose espérer que tous les supporters parisiens et tous ceux qui aiment le Paris Saint-Germain souhaitent que Kylian reste. Il faut aussi que tout le monde, les médias comme les entraîneurs et les spectateurs ou téléspectateurs souhaitions que Kylian Mbappé reste au club parisien. Kylian Mbappé ne s'en est jamais caché, jouer au Real Madrid est un rêve. En signant chez les Madrilènes cet été, il réalisera son rêve. Ballon d'or 1991, Jean-Pierre Papin a conseillé son compatriote de rejoindre Karim Benzema, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga chez les Merengues. Sur le choix de son club, je pense que quand un joueur a un rêve, il faut qu'il le réalise. S'il ne le fait pas, il le regrettera toute sa vie. En cas de prolongation de Kylian Mbappé, l'international français se retrouvera comme la star du Paris Saint-Germain. Il serait mis en avant dans les stratégies commerciales du club selon le journaliste britannique Adam Crafton.